L'arche a commencé toute petite, comme ça, une expérience d'un petit groupe de personnes qui ont eu le courage de tout quitter pour recommencer à vivre autrement. La communauté, elle est constituée des gens qui sont permanents, qui restent plus sur le long terme, mais elle est aussi constituée par les longs stages qui restent un an, les moyens stages qui restent quelques mois. On est vraiment un laboratoire de vivre ensemble, une espèce de plateforme un peu tournante. On reçoit beaucoup de gens tout le temps, des personnes qui viennent aussi expérimenter avec nous cette vie communautaire. Et vraiment un truc qui est primordial, c'est le fait qu'on ait une caisse commune et que l'argent soit partagé, qu'on ait tous une part égale, qu'on prenne nos décisions de manière horizontale. Pouf, ramassez les tomates avec Carole. On a cette gouvernance partagée depuis l'origine. Et la base, c'est que c'est des équipes. Des personnes qui s'écoutent, qui doivent collaborer ensemble et qui doivent trouver ensemble des solutions aux problèmes qui se posent. Et c'est ça qui nous fait avancer. Seb, tu peux laisser les oignons et aller préparer les raisins. Ça, c'est fait. C'est le deuxième plateau. Il y en a un plus petit. On va finir tôt aujourd'hui. Hein? Non, je veux mettre deux personnes. Attends, quelle heure il a? On a encore 20 minutes. Attends, je vais demander. Quelqu'un à la salade avec Nathalie, s'il vous plaît. Oh, non. Oh mon Dieu, le rappel. Pour moi, il y a une chose qui est la clé de voûte, c'est que les gens, ils ont fait ce pari d'essayer de traverser les conflits ensemble et d'accepter qu'il y a des conflits et d'accepter de travailler sur eux pour pouvoir se remettre en question. Parce que c'est la seule manière de traverser un conflit, c'est qu'à un moment, il faut se remettre en question. Et si on ne fait pas, en fait, c'est-à-dire on écrase l'autre, quoi. Enfin, on l'oublie, on passe à autre chose. Beaucoup de conflits s'enveniment petit à petit, jusqu'à ce qu'il y a la dernière goutte qui déborde et après, on ne peut pas revenir en arrière. Et pour que les conflits deviennent vie, il faut aller assez vite en parler, parce qu'un conflit, il est toujours porteur de vie et de vérité, si on peut le prendre avant. L'enjeu, c'était de prendre conscience de cet enjeu de la relation dans le collectif et de l'importance que ça a. Ici, on fait régulièrement des temps de partage pour que chacun puisse dire c'est quoi ce qu'il est en train de vivre. Et finalement, c'est aussi une hygiène collective pour avoir de l'empathie pour l'autre. En fait, qu'est-ce qu'il est en train de vivre? Ah oui, d'accord, lui, il vit ces difficultés-là. Et en fait, de toujours considérer l'autre personne et la relation que je peux avoir avec elle comme quelque chose de suffisamment important, suffisamment sacré peut-être pour essayer de prendre soin de ça. Ça, en fait, pour moi, ça fait partie du travail spirituel, d'avoir l'intention d'aller rejoindre l'autre dans sa psychologie, dans son vécu, même si au départ, ça nous paraît heurtant parfois ou vraiment très différent de nous, quoi. Je pense que la vie spirituelle, on la découvre en soi, à un moment donné. Moi, quand je suis arrivée à l'Arche, j'étais athée. Mais je suis allée dans un lieu où on ne m'a pas obligée. Ça se passait, il y avait des rituels, il y avait des espaces où je pouvais aller au pas. Et quand je me suis retournée vers moi, j'ai découvert cette partie de moi que j'avais niée beaucoup et que je ne voulais pas faire vivre et qui était morte de soif. Et quand j'ai commencé à dire oui à ça, j'ai pu voir, c'est comme s'il y avait une autre lumière. La lumière est autre et me permet de voir des subtilités dans la personne que je ne vois pas sinon autrement. L'être humain, ce qu'il porte en lui, c'est vraiment unique. Si nous arrivions à nous valoriser et à valoriser l'autre, si nous arrivions à nous donner le poids que nous avons,
si nous arrivons simplement à nous aimer, en fait, eh bien, on retrouve, je trouve, c'est pourquoi nous sommes venus ici, sur cette terre-là. Moi, j'ai toujours oscillé un peu entre, d'un côté, cette envie de lutter très, très, très forte, mais il y a des périodes de ma vie où ça a été peut-être un peu trop, et ça m'a beaucoup affecté, déprimé, de me sentir vraiment petit face à une machine immense. Et du coup, ici, ce que je trouve, c'est le truc de pas courir après la révolution, mais de la vivre, en fait. Pour moi, la plus grande action que nous faisons, c'est la vie communautaire. Je me suis engagé. Être capable de tenir ensemble, c'est-à-dire montrer qu'on peut vivre ensemble des personnes très différentes, que nous pouvons partager ensemble à niveau économique, ça ne vous fait le nez. Que l'être humain peut aller au-delà de l'individu et penser au bien commun. On oublie que nous avons survécu, pas parce qu'on était les plus forts et les plus rapides, on a survécu parce qu'on avait la capacité d'aller ensemble. Et c'est maintenant qu'on va survivre aussi dans cette époque-là, parce que nous avons cette capacité. Et la vie spirituelle, elle est au cœur de ça.